Je le trouve super agréable parce que déjà il est en bois. Donc je trouve que c'est les structures super jolies. Avec les beaux jours qui arrivent après l'école, je pense que ça peut être sympa de venir se détendre avec les enfants avant de rentrer à la maison. Ça se fond bien dans le décor. En plus, c'est au milieu des arbres, il y a les oiseaux qu'on entend. Et le bois est assez discret. Je trouve que ça se marie bien avec le décor et les arènes qu'il y a derrière. On se promène avec nos chiens et on profite. En général, on y va quand il fait beau, hein, mais bon. Ces jeux en bois ont été choisis en harmonie avec ce site remarquable de l'amphithéâtre des Arènes romaines, vestige que vous pouvez voir dans sa globalité. Un autre édifice historique de Toulouse, c'est le moulin de Saint-Martin-du-Touche, bâtisse du XVIIe siècle, qui a été entièrement rénové à la demande des associations de quartier. Et puis un élément nouveau, le parc de Fleurance, 1,5 hectare, plus de 14 000 végétaux en cours de plantation, avec une aire de jeu là aussi pour le bien-être des petits et des grands. Route de Bayonne, rue Velasquez, nous déployons un réseau de caméras de vidéoprotection afin d'assurer une meilleure tranquillité des habitants et de ceux qui viennent travailler. Vous le voyez, nous sommes attentifs à la qualité de vie des habitants et nous continuons à développer le quartier en harmonie avec les espaces naturels.